Porto Novo, la capitale du Bénin. Une ville autrefois plongée dans les ténèbres voit lever sur elle une grande lumière, qui est l'Évangile. Voici sur place le groupe Jésus revient, une équipe de jeunes soldats, prêts à défendre l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Trois jours d'évangélisation non-stop a été décrété pour envahir la ville de Porto Novo de la Bonne Nouvelle. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, je vous salue encore dans le beau précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu qui nous a encore accordé cette grâce d'être ici ce soir pour annoncer sa parole. Que le Seigneur vous fortifie davantage. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas bénir le Seigneur pour tout ce qu'il t'a fait, pour les merveilles qu'il a accordées, pour les grandeurs, pour les choses merveilleuses qu'il t'a fait depuis le mercredi. Tu vas élever ta voix et tu vas bénir le Seigneur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ.
Je le dis, Seigneur, je te bénis. Depuis le mercredi, tu nous fortifies, tu nous accordes ta puissance, tu nous remplis de ton esprit, tu nous accordes la force pour pouvoir annoncer ta parole avec fierté. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, tu vas encore bénir le Seigneur pour ce terrain merveilleux, glorieux qu'il nous a accordé afin de semer sa parole. Et l'être avoir pris au nom puissant de Jésus. Et l'être avoir pris au nom de Jésus. Et l'être avoir pris. Je dis, Seigneur, je te dis merci pour ce terrain merveilleux, glorieux que tu nous as choisi pour pouvoir propager ton évangile afin de semer ta parole dans la vie des âmes. Prie, dis-lui merci. Faut lui dire merci, faut lui dire merci. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas élever ta voix. Tout d'abord, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je te demande miséricorde dans ma vie et que ton sang me dépouille des yeux de ténèbres. Peut-être j'ai eu à dire des choses, peut-être j'ai eu à mener des mauvaises pensées. Je te prie, Seigneur, humblement, dans un cœur sincère, je te prie que ton sang me justifie, que ton sang me dépouille des yeux de l'ennemi. Et maintenant, Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, que toute œuvre de l'ennemi érigé dans ce quartier, soit dévoué, soit détruit aujourd'hui. Seigneur, mon Dieu, me voit. Seigneur, je te dis merci. Je te bénis. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu nous révèles des âmes spirituelles. Je prie, Seigneur, que tu nous équipes au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie, je prends autorité dans le nom de Jésus que tout esprit méchant qui va se lever contre nous soit écorché au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que les cœurs anti-sud, Seigneur, que ton matin descende pour briser les cœurs. Si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur Jésus. Après un moment intense de louanges et de prières à 360 degrés, les voici enfin prêts pour ériger la muraille de la Bonne Nouvelle, la saine doctrine de Jésus-Christ. Si tu es vivant, mon frère, il faut accepter le Seigneur. Le Seigneur Jésus. Après ta mort, la mort ce sera tout. Le vrai problème que tu as,
n'as pas Jésus. Le vrai problème que tu as, c'est que tu n'as pas Jésus. Tu dois accepter Jésus. C'est très très prochain pour toi. C'est très très important. Tu dois accepter Jésus. Ce n'est pas un choix. Tu dois accepter Jésus. Parce que sans Jésus, c'est la mort. Sans Jésus, tu peux avoir tout sur cette terre. Sans Jésus, tu peux avoir les milliards de la terre. Tu n'as rien. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. C'est pourquoi il te tend la main. Il te tend sa main de grâce. Il te tend sa main de grâce. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Là, tu ne sais pas ton corps. Dis à Jésus. Yeah.
C'est la Bible.
intervention. Et tu penses qu'on te juge. C'est la parole qui te juge. Toi qui mets les faux cheveux. Les faux signes. Les faux signes. Les fausses personnes. Et toi debout. Tu es devenu faux. Jésus-Christ n'est pas de le faux. Jésus n'est pas de le faux. Ma soeur Jésus-Christ t'aime. Et t'appelle à la repentance. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus-Christ revient de toi. Jésus-Christ revient de toi. Ne mets pas de l'ignorance. Ne mets pas de l'ignorance. Ne mets pas de l'ignorance. Jésus-Christ t'aime encore. Jésus-Christ t'aime encore. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Quand vous entendez sa voix, n'anticipez pas vos cœurs. N'anticipez pas vos cœurs. N'anticipez pas vos cœurs. Trois femmes qui portent des pantalons. Trois femmes qui portent des pantalons. Le Seigneur t'invite à la repentance. Car la parole de Dieu nous déclare dans Deutéronome 22, verset 5. Il n'est pas donné, il n'est pas permis à la femme de porter des habillements d'homme. Et il n'est pas porté à l'homme, mais également de porter d'habillements de femme. C'est pourquoi toi, femme qui porte des pantalons, le Seigneur te vit ce soir te repentir. Toi, femme qui porte des boucles d'oreilles, le Seigneur te vit ce soir te repentir. Toi, femme qui porte des mèches sur ta tête, le Seigneur te vit ce soir te repentir. Toi, femme qui porte des collants, le Seigneur te vit à te repentir. Sinon, si tu mets dans les pantalons, tu n'iras pas au ciel. Le Seigneur te vit à la repentance. Le Seigneur vous invite à la repentance. Le Seigneur vous invite à la repentance. Repentez-vous. 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 Les temps sont finis. Les temps sont finis. Yahweh, 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 Yahweh,
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Pour tout ce qu'il a fait pour nous durant ce programme d'évangélisation, nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il a fait de très grandes choses. Lui qui a veillé sur nous depuis le début de ce programme jusqu'à ce moment. C'est pourquoi vous qui nous avez suivis et qui nous avons soutenus d'une manière ou d'une autre, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Et nous prions pour que vous ne manquiez pas non plus de votre grâce et de votre bénédiction. Alors nous voici à la fin de ce 3 jours d'évangélisation dans le quartier de Rondeau. Nous savons que nous n'avons pas encore fait l'œuvre, nous n'avons pas encore achevé, mais la mission continue. L'œuvre se poursuit et le réveil n'est pas à son terme. Mais nous continuons jusqu'à son terme et que toute la gloire revienne à Jésus. C'était l'église Jésus vient de Porto Novo. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.